Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs avec une arme entièrement modifiée. Donc pour modifier vos armes, vous allez devoir vous rendre dans des bunkers d'armement. Et ces bunkers apparaissent uniquement à partir de la troisième tempête. Et elles sont indiquées, enfin ils sont indiqués par ce petit logo. Alors il faut savoir que ils ne sont pas toujours disponibles. Il y en a qui restent fermés parfois et il y en a qui s'ouvrent, je ne sais pas trop pourquoi. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un bunker qui ne s'ouvrait pas même après la troisième tempête. Donc là, à partir de la troisième tempête, les logos sont affichés. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans ce bunker. Ensuite, vous allez prendre n'importe quelle arme et vous allez la modifier au maximum. Donc pour la modifier au maximum, vous allez devoir mettre un optique. Vous mettez n'importe lequel, voilà. Vous l'équipez, ça coûte 75 lingots d'or pour chaque accessoire. Ensuite, vous mettez un chargeur. Ensuite, vous mettez un montage sous canon et vous mettez un canon. Quand vous avez votre arme complètement modifiée, vous pouvez voir qu'ici en haut de l'arme, il y a 4 petites barres blanches qui vous indiquent que l'arme est justement modifiée à 100%. Là, les 4 accessoires et vous pouvez même voir les accessoires s'afficher quand vous maintenez L2. Donc là, vous êtes sûr que votre arme est améliorée au maximum. Donc si maintenant vous trouvez une arme sur un adversaire, vous avez juste à regarder si son arme est modifiée au maximum. Si elle ne l'est pas, vous allez devoir la modifier vous-même. Donc ensuite, quand vous avez cette arme-là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer des adversaires. Donc je vais chercher après des joueurs. Ok, donc là, j'ai des joueurs devant moi. Ce que je vais faire, c'est prendre l'arme que j'ai modifiée au maximum. Et ensuite, je vais tout simplement les tuer. Et dès que vous aurez réussi à tuer 3 joueurs avec des armes modifiées entièrement, là vous aurez terminé le défi.